Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Comme à chaque fois, je suis ravie de vous retrouver pour une causerie autour de l'aquarelle. On pourrait parler de peinture à l'huile, de pastel ou de crayon, mais bon, bien souvent c'est de l'aquarelle. Et aujourd'hui, c'est de l'aquarelle, mais bien entendu, vous allez voir le sujet qui se portera sur les ombres et lumières, bien entendu, se rapporte à tous les médiums. Donc j'espère que cela va vous intéresser. En tout cas, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir, grand plaisir en ma compagnie. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez rester en ma compagnie. Alors, j'ai l'habitude de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la semaine. Cette semaine a été exactement comme la semaine d'avant, c'est-à-dire totalement bloquée. Donc, je n'ai rien pu faire. Mais ça a l'air de bien s'arranger, je dirais, à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et que je pourrai faire plein de choses de mon côté. Donc, le sujet du jour, ces tips ou sujets, comme je les appelle, se portent autour de l'ombre et la lumière. Pourquoi ce sujet-là? Parce que d'abord, un, il est hyper important. Sans contraste de valeur, eh bien, on n'a pas de résultat. Et la seconde raison, c'est que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce sujet. Donc, je m'exécute avec grand plaisir, d'autant plus que, comme je viens de vous le dire, c'est hyper important. Alors, l'ombre et la lumière, donc, c'est ce qui joue sur les valeurs. Les valeurs, c'est le degré d'intensité qui va aller du blanc au noir, par exemple. Bon, ça, vous, je pense que vous trouverez sans problème une échelle de valeurs sur Internet. Je vous laisserai farfouiller de votre côté. Un petit peu chacun son travail. Vous avez donc un travail à faire à la maison. Trouvez une échelle de valeurs. Donc, une échelle de valeurs, vous allez la trouver facilement, bien sûr, du blanc au noir, monochrome, du blanc au noir en passant par les gris. Mais bien sûr, il y a aussi une échelle de valeur sur la couleur. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une aquarelle qui serait bien réussie au niveau de la couleur ne peut pas être réussie si elle n'a pas un contraste de valeur. Oui, je sais, c'est pas évident, mais ça n'empêche que... voilà. Par exemple, je prends ce pot. Alors, je vous ai montré un... quelque chose, je ne sais plus quoi, lors d'un de ces sujets que je vous propose là, dernièrement. Donc j'avais peint ce pot. D'ailleurs, j'ai fait des trucs dessus parce que dans la vidéo, ici, là, aujourd'hui, je vous montre quelque chose comme ça en ce pot. Donc bref, je vous ai montré quelque chose, mais si c'est une aquarelle terminée, elle ne peut pas être réussie parce qu'elle a un contraste de couleur bleu, rouge, mais elle n'a pas de contraste de valeur. Alors comment on peut le voir? Parce que c'est quand même intéressant. On peut le voir en enlevant ses lunettes, on le voit beaucoup mieux. Donc si vous avez des lunettes, bah, c'est parfait, hein, c'est amovible, on peut enlever. On peut le voir en clignant des yeux, hein, c'est ce que l'on fait lorsqu'on est dehors et qu'on essaie de simplifier un petit peu tout ce que l'on voit pour supprimer le superflu et garder donc les grandes masses, les grandes formes. On ferme un petit peu les yeux. Ou alors, et c'est très facile aujourd'hui avec les technologies, c'est qu'on prend une photo, par exemple, de ce pot. Imaginons que je me dise, bon, je ne sais pas, est-ce que j'ai assez contrasté? Est-ce que j'ai bien contrasté? Eh bien, on prend une photo et on la passe en noir et blanc. Donc, c'est hyper vite fait, mais avec nos téléphones. Ce que j'ai fait, je vous propose, je vous la glisse quelque part par ici, donc la photo noir et blanc de ce pot. Et on voit, là, on voit, ça peut pas rater, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se dire, oui, peut-être que non, ça ne marche pas, parce que les contrastes de valeur, eh bien, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, on a donc trois façons, hein, cligner des yeux, enlever ses lunettes éventuellement, ou une photo en noir et blanc, ça marche très, très bien. Et contraste de valeur, donc il en faut, et c'est donc qu'on va en parler tout à l'heure, je vous fais une petite aquarelle, histoire d'en parler. Mais c'est important parce que le contraste de valeur nous permet de donner du volume. Voilà, lorsque nous on regarde, voilà, je suis dans ma pièce et je vois une boîte devant moi, je vois un meuble, tout ce que je vois est en volume. Mais lorsque je le passe sur ma feuille, automatiquement, je n'ai plus de volume, j'ai qu'une direction et une direction donc en 2D. Donc il faut que je crée une illusion de volume et pour créer l'illusion de volume, il y a les valeurs. Donc les valeurs, c'est-à-dire du clair au foncé, pas confondre avec le contraste de couleur. Donc j'espère que mon explication ici vous convient et je vous propose de passer par un petit exemple à l'aquarelle. Pour illustrer mon propos, mes blabla, bon, j'ai dessiné et décidé de partir sur quelque chose de simple.
un arbre, par exemple. Alors, il est fort possible d'ailleurs que cet arbre nous suive pendant la durée de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du terre de sienne brûlée. Je ne vais pas peindre l'arbre en entier, hein, c'est juste pour l'illustration. Je vais poser ma couleur sur le tronc de l'arbre. Un petit peu les branches, mais je voudrais vous montrer ça sur le tronc de l'arbre. Voilà, donc un truc tout simple, tout bête. Je vais quand même adoucir mes contours parce qu'il fait très chaud, donc ça va sécher vite. Et si après mes explications m'amènent à poursuivre cet arbre, je ne voudrais quand même pas que ce soit vilain. Donc voilà un arbre d'une seule couleur. Même si je vais rajouter un peu du terre de sienne pour donner un petit peu de volume. Voilà, par exemple ici, au creux d'une branche. Voilà. Avec la même couleur. Donc c'est un petit peu plus sombre puisque j'ai rajouté de la couleur. Mais ça va pas suffire. Surtout si je le fais au petit bonheur la chance. Donc, première chose, c'est décider ou de regarder dehors d'où vient la lumière ou de regarder sur sa photo si c'est le cas. Je vais décider que ma lumière vient d'en haut à gauche. Je vais donc poser quelque chose de beaucoup plus sombre, côté ombre, c'est-à-dire à droite. Bon, là, j'ai posé du bleu outre-mer. Dans ce bleu outre-mer, je peux prendre la couleur de mon arbre. De manière à ce que ce soit plus agréable. Voilà, je fais ça tout de même de manière agréable. Voilà, mon bleu outre-mer a déjà foncé beaucoup plus le côté à l'ombre de mon arbre. Je vais reprendre cette fois-ci mon terre de sienne brûlée. Je vais le poser ici. Je vais prendre un bleu outre-mer qui donc va foncer ma couleur terre de sienne, qui est la couleur choisie pour mon arbre. Et je vais prendre un petit peu de violet Windsor pour foncer encore plus. Éventuellement, je peux jouer avec les couleurs jusqu'à temps d'avoir une teinte qui me convienne. Voilà une couleur qui va être aussi encore plus sombre. J'espère qu'on le verra, c'est plus sombre ici qu'à cet endroit où j'ai mis uniquement du bleu. Voilà, en imaginant qu'ici il y a de l'ombre créée par les racines par exemple, ou d'autres raisons d'ailleurs. Je peux venir apporter cette couleur sombre et je peux très bien, pour que les effets soient plus jolis, par exemple, venir avec mon terre de sienne brûlée, donc, qui est la couleur de mon arbre, pour faire une liaison peut-être plus agréable. Là, vraiment, j'ai un contraste de valeur. Plus clair ici, parce que c'est éclairé par la lumière, plus foncé à l'ombre, et de ce fait, cela donne une impression de volume à mon arbre. On le voit qu'il tourne. Il peut même tourner encore un petit peu plus si j'enlève par exemple de la couleur. Badaboum. Bon, il faut juste que ça soit fait quand même de manière harmonieuse. Donc voilà un arbre qui tourne, qui est beaucoup plus éclairé côté lumière que côté ombre. Alors c'est un exemple simple, étant donné que c'est un arbre, ça marche bien entendu sur un pot ou sur je ne sais quoi, des maisons, bien entendu des feuilles aussi. On pourrait d'ailleurs prendre l'exemple d'une feuille. Donc si vous le voulez bien, je vais me déplacer ici pour dessiner une feuille toute simple. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. Elle ne va pas être à l'échelle de l'arbre, étant donné que l'arbre et dessiner petit quand même, et moi je vais dessiner une feuille qui va être presque aussi grosse que mon arbre.
imaginons une feuille qui n'est pas très dynamique comme dessin, si elle est vraiment posée à plat. Je vais prendre un vert émeraude, terre de sienne naturelle, pour avoir un vert assez doux. Donc voilà une couleur vraiment monochrome pour cette feuille. Si je veux donner l'impression donc qu'il y a du volume, je vais me servir donc de la lumière. Je vais décréter pour cette feuille, d'ailleurs je ne vais pas le dessiner parce que ça va être compliqué bien entendu, parce que la lumière va venir d'en haut. Pour donner l'impression donc que la lumière vient d'en haut, bien éclairée, cette feuille qui pourrait être une feuille de plan d'appartement, je peux, c'est très pâle donc c'est pas très utile, enfin ça fait rien, je peux enlever de la lumière ici, enlever de la couleur au centre pour que ce soit plus pâle, vous n'allez pas le voir, donc on va peut-être faire autrement, et je vais créer une couleur plus sombre avec vert Windsor et bleu outre-mer par exemple, voilà, et donc il est évident que comme la lumière est au centre, j'ai plutôt mes extrémités de la plante qui sont extrémités qui sont plus sombres, voilà. J'aurais pu aussi passer cette couleur foncée, mais c'est sympa de passer une couleur plus claire dessous. Vous l'aurez bien compris. Et du coup, voilà ma couleur qui est plus foncée, et que je peux d'ailleurs encore foncer. Donne l'impression que la lumière éclaire le centre de cette feuille. Quand même ranger un peu la forme, ma feuille a une forme bizarre. Voilà. On peut aussi, par exemple, mettre une couleur claire sur la lumière, ici du jaune. Et je vais un peu faire bouger tout ça pour pas que ça soit quand même... c'est pas très intéressant d'avoir une démarcation aussi nette. Voilà. Ici, on voit bien que la feuille est éclairée du dessus. Donc, c'est ça, c'est ce qui est très important, c'est un, de décider ou de regarder d'où vient la lumière, ne pas varier en cours de route, si elle vient de gauche, elle vient de gauche. Là, par exemple, serait utile de se mettre à plat pour que les pigments de ma feuille restent bien où je le souhaite. Voilà. Donc, décider d'où vient sa lumière, ne pas changer en cours de route, ça ne peut plus bouger. Et ce principe, eh bien, écoutez, il se rapporte à tout le côté figuratif. Que vous peignez une maison, que vous peignez une montagne, etc. On parle de la même chose. Alors, je l'ai dit et c'est hyper important, l'ombre et la lumière donc créent le volume, c'est important. Mais l'ombre et la lumière aussi donnent l'ambiance. Si par exemple vous avez un paysage d'été, je vais prendre les deux extrêmes, ça va être plus simple. Mais vous avez un paysage d'été avec un soleil écrasant, vous avez automatiquement des contrastes bien plus nets, voire nets. Vous avez des ombres très bien dessinées, etc. Si par contre, à l'inverse, vous avez un paysage, mettons d'hiver, en tout cas très brumeux, toutes les couleurs sont atténuées, tous les contrastes de couleurs et de valeurs sont atténués. Donc, on peut aussi se servir de la lumière, des effets de la lumière, donc contraste de valeur, pour créer des ambiances différentes. Donc, quelque chose de très atténué, de peu précisé, avec par exemple un paysage de brouillard, ou à l'inverse, très contrasté. Ça sert aussi, bien entendu, le contraste de valeur sert aussi, est à votre service pour exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, même si vous ne le savez pas. Je vous laisse avec une petite ébauche. Alors l'ombre et la lumière, oui bien sûr, ça crée l'ambiance de la météo, hein, un effet météo, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de soleil ou au contraire très peu de soleil, voire pas du tout. Et bien entendu, cela donne aussi une atmosphère. C'est autre chose.
C'est vrai que si on veut une atmosphère plus douce, on va plutôt, par exemple, si l'on parle météo, prendre une météo un petit peu grise, peu éclairée, pour justement adoucir tout ce qui est contraste. Je vais faire à droite, alors un mini paysage, hein, parce qu'il y a un ciel, il y a une montagne, il y a un chemin, il y a trois fois rien. Donc, si on a par exemple un soleil d'été, un paysage d'été, pardon, avec dans les deux cas une lumière qui viendrait de gauche vers la droite, donc un ciel. Encore une fois, je reste très très simple. J'espère que cela vous conviendra. Alors à la limite, je vais peindre la montagne. Mais si je veux un contraste fort, je vais laisser sécher. Bon, ça c'est un autre sujet. Ce que je vais faire par contre, parce que vouloir un contraste fort pour, avec une intention donnée, oui, mais il faut quand même que ça soit, entre guillemets, artistiquement esthétique. Je vais prendre le même bleu et je vais lui mettre du vert Windsor par exemple pour ce qui est de ma verdure. Donc ici j'aurai de la verdure, un chemin. Je vais quand même adoucir mon chemin. Si j'avais, je ne sais où, un petit buisson, par exemple ici, imaginons, j'ai un petit peu de verdure. Vous avez bien compris que c'était hyper basique, hein, mon petit paysage là. Voilà, si il y a beaucoup de soleil, la lumière donc vient de gauche, elle va créer des ombres fortes. Donc un contraste plus fort. Ça va donner bien entendu une ambiance différente. Je pourrais aussi avoir une ombre ici. Côté lumière, je pourrais même avoir quelque chose de très clair. Donc là, on est vraiment dans les forts contrastes. Je vais essayer d'arranger tout ça quand même, ça bientôt plus ressembler à rien du tout. Hop, et ben je reviens pour les valeurs. Ici c'est sec. Donc j'ai une lumière qui vient de gauche. C'est pareil pour ma montagne. Qui va avoir des contrastes plus forts que sur ma version qui sera à gauche et qui sera moins contrastée due à la météo. Voilà, ici, ma montagne contrastée. Et c'est ma valeur foncée qui donne du relief à ma montagne. Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? Mais ce relief, encore une fois, vient de la lumière, tout simplement. Parce que c'est sec ici. Et sur... Non, je vais essayer cette fois-ci parce que c'était très très mouillé. Et ici, à l'ombre de mes petits bosquets, j'ai un contraste plus fort parce que j'ai donc un soleil assez, assez fort qui crée ombre et lumière. Et je peux un petit peu tracer un chemin parce que si j'ai du soleil à gauche, je dois avoir automatiquement une ombre ici. Il s'agit bien entendu de ne pas faire un trait raide et discontinu. Donc vraiment une petite ébauche de paysage. Maintenant on va faire un autre paysage. Maintenant, on va faire le même paysage, mais alors avec vraiment très très peu de lumière. Je vais même faire quelque chose de plus gris. Donc dans mon bleu outre-mer, j'ai simplement mis un peu de terre de sienne brûlée. Donc voilà mon ciel, hein, qui, vous le voyez bien, est plus couvert. Ma montagne, comme j'ai une espèce de brume hein, dans ce temps très couvert, ma montagne se confond avec le ciel, donc j'ai quasi la même valeur, quasi la même couleur, et comme j'ai une espèce donc de brume de temps très couvert, ma verdure
prend aussi une teinte bleuâtre. Tout ça, c'est sur papier sec. Hein. C'est vraiment histoire aussi d'ébaucher tout ça. Ça ne m'empêche pas d'adoucir mes contours. Hein. Et si j'avais aussi des petits bosquets devant, à l'image de ceux-là, eh ben, ils auraient peu de contraste. Donc voilà, alors là j'ai fait quasi la même couleur, mais on n'est pas obligé. Hein. Je peux prendre par exemple un teint de sienne naturel, mais que j'ai bleui pour rester un petit peu dans mes couleurs. Et ce qui est important pour un paysage comme ça dans la brume, c'est même valeur, pour ainsi dire même valeur. Bon, il ne faut pas exagérer. Il faut peut-être quand même un petit peu faire des ombres, mais je pense que dans ce paysage vraiment sans soleil, sans beaucoup de lumière, j'aurai peu d'ombre et peu de contraste. J'espère que mon explication vraiment toute bête, toute simple, vous conviendra. Alors, une petite astuce, toujours au niveau des valeurs. Je vais blablater très brièvement parce que je voudrais vous le montrer tout simplement. Vous avez une forme, pour qu'elle soit ancrée dans votre composition, eh bien, il suffit de forcer un petit peu plus la valeur. Par exemple, si c'est un arbre, et je vais illustrer tout à l'heure avec, enfin, je vais illustrer dans une seconde, et non pas tout à l'heure. Je vais illustrer avec un arbre. Donc, si vous foncez au pied de l'arbre, cela donne l'impression que l'arbre est ancré dans la terre, mais aussi ancré dans votre composition. Et ça marche pour tout. Hein. Ça va marcher pour une maison dans un paysage. Ça marche absolument pour tout. Il faut juste jauger un petit peu, jauger même totalement. De quelle manière vous allez jouer avec ça pour pas que ça saute aux yeux, pour pas que ça attire plus l'œil, par exemple, que ce que ça devrait. Je vous laisse donc avec une petite vidéo à ce sujet. Alors, on va, si vous le voulez bien reprendre cet arbre. Je vous avais dit qu'il allait nous suivre un petit peu. Alors, une valeur plus sombre peut être utile aussi pour ancrer, alors je l'ai un peu fait là, pour ancrer un objet figuratif dans son décor. Alors un arbre par exemple, mais ça peut être une maison, c'est valable pour tous les objets que l'on pose en fait. Voilà, donc juste simplement poser une couleur plus sombre, ça permet d'éviter que cette forme flotte un petit peu. Simplement, ça la pose. C'est pareil pour une maison. Voilà, je ressors une aquarelle que j'ai vraiment fait l'autre fois très brièvement. Si je pose, alors il faut rester en harmonie, hein, parce que si c'est très pâle, c'était juste une ébauche. Mais si je pose une couleur plus sombre sur cette maison, alors bien sûr, il faut le jouer agréablement, hein, mais ça pose ma maison. Ça évite qu'elle flotte. Bien entendu, c'est à apprécier dans une composition vraiment, vraiment faite et pas une ébauche comme ici. Mais ça va être pareil pour cet arbre. En dehors du fait qu'il y a de l'ombre certainement au pied du cyprès, enfin du moins s'il avait été peint et non pas ébauché, le fait de poser une couleur sombre en bas pose, ancre mon arbre ou mes bosquets. J'espère que je suis claire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce sujet. Le quatrième sujet, si je ne me suis pas trompée dans mon compte, part de ce que je vois assez souvent. Pour, par exemple, sur une forme en volume, que ce soit par exemple un vase, un arbre, pour reprendre donc cet exemple d'arbre qui va nous suivre un petit peu dans cette vidéo, je vois souvent des personnes qui créent ou qui posent l'ombre de l'arbre, mais en une bande, en une ligne très très nette. Alors ça, ok, c'est plus facile quand on débute, mais c'est vraiment à éviter. Il n'y a pas de raison que l'ombre fasse une bande comme ça. La lumière et l'ombre ont des dégradés bien plus nets qui créent justement le volume, la forme arrondie de l'arbre, pour reprendre cet exemple. Il n'y a pas de raison que ce soit une bande. En attendant, ce n'est pas esthétique, même si dans la vraie vue, vous voyez une bande avec une ombre nette comme ça, ce n'est pas franchement esthétique. Donc, il faut faire attention à ça, et c'est ce que je vous propose
tout de suite. Alors, toujours notre arbre, parce que, alors moi je le vois souvent, donc je vais vous le, je, on va en parler. Vous voulez faire une ombre à cet arbre. Je trouve plus judicieux de faire entrer d'autres couleurs que la couleur de l'arbre, sauf si on fait une peinture monochrome, bien entendu. Mais ce que je vois souvent, et on en parlera aussi sur un pot, c'est quelque chose, une ombre, une ligne, voilà, qui va suivre bien, alors surtout avec une couleur opaque, qui va suivre bien, voilà, ça je le vois très très souvent. Et bien entendu, c'est pas du tout à faire. Alors, il n'y a pas une ligne droite comme ça, déjà sur un arbre en volume, hein, c'est pareil pour un pot, il n'y a pas une ligne droite. Donc il n'y a aucune raison d'avoir ça. Mais si vous avez du mal à ne pas poser comme ça, bon, déjà avec un pinceau humide, on va adoucir la ligne et on ne va pas l'adoucir comme ça. On va varier nos mouvements. Une fois verticale, pourquoi pas. Une fois horizontale, pourquoi pas non plus. De manière à ne pas avoir une ligne comme ça. Et je le vois aussi souvent sur les pots. Donc on va prendre ce pot. Bah pareil, hein, je m'en suis servi lors d'une des dernières vidéos. Je ne sais plus d'où venait la lumière, mais on s'en fiche, on va dire qu'elle vient de là. Et je vais prendre la même couleur. Enfin, une couleur, dans les teintes. Je vais prendre Cramoisi d'Alizarine. Ce que je vois souvent, c'est une ligne qui va suivre le pot. Comme ça. Voilà, quelque chose de bien, voilà. Ça, c'est pareil, c'est pas harmonieux du tout. Donc, si vous avez du mal à ne pas faire comme ça, à la limite, adoucissez une fois à l'horizontale. Pourquoi pas ici vertical et ici à nouveau. Vous voyez, il y a plus de richesse dans le mouvement. Mais sinon, on peut très bien aussi directement ne pas poser en ligne. Alors, par exemple, ici, je peux poser ma valeur plus foncée comme ça. J'espère que vous verrez. Ici, à la limite, elle va suivre le pot. Et puis, un peu à l'horizontale. Ici, à la limite, je peux faire aussi suivre le pot, mais pas tout le temps. Pas une ligne nette, ininterrompue. J'espère que cela vous parlera. Je vais arranger un petit peu tout ça tout de même. Pour terminer ce sujet sur les ombres, sujet vaste, sujet très important, mais j'ai voulu quand même axer sur des propos, je pense, assez simples, accessibles. Bah, dites-moi d'ailleurs si vous trouvez aussi que c'est simple et accessible. Donc, quelle couleur pour les ombres? Alors, il y a de base une règle. Mais enfin, les règles sont faites pour être détournées, mais c'est quand même bien de les connaître, donc je vous la propose. Mais j'en parle aussi dans la vidéo. Si on devait donc ne pas écouter son instinct, je dirais, parce qu'on sait, on a des envies, tiens, je verrais bien ça comme couleur, j'ai peut-être fait des essais avant, je vois que je veux cette couleur qui va bien avec celle que j'ai posée, etc. L'idéal, c'est bien entendu de jouer avec les couleurs un petit peu avant sur un papier. Mais bon, c'est bien aussi de le savoir. Donc, une ombre, c'est quoi? C'est, je vais prendre un pot, tiens, voilà. C'est la couleur de l'objet. Si vous voulez faire une ombre à ce pot, on prend la couleur de l'objet. Donc ici, c'est un pot, ça pourrait être une maison, la couleur de la maison. Ou d'un bosquet, la couleur du bosquet. Vous me suivez, hein, parce que là, franchement, j'exagère dans les détails. Donc, on prend la couleur de l'objet. On prend une pointe de sa complémentaire. Donc ici, ça serait dans les jaunes orangés. On prend une pointe de bleu. Donc bah, ici, ça y est déjà. Mais c'est ça. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'ai rien sous la main. Donc, bref, la couleur de l'objet, un peu de sa complémentaire et un peu de bleu. Pourquoi le bleu? Parce que il y a une absence de lumière dans l'ombre et le bleu rend cette absence de lumière. Je vous montre dans la vidéo qui suit, parce qu'on n'est pas obligé, bien entendu, de prendre ces couleurs. On peut très bien prendre autre chose à partir du moment où ça convient, où ça vous convient et que ça match. Mais je vous montre comment jouer un petit peu donc avec ces couleurs, et je parle un petit peu d'ombre, donc d'un objet, lorsque le soleil vient éclairer un objet, mais que l'objet donne de l'ombre. À savoir, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais quand même à savoir, imaginons, on reprend mon pot,
Voilà. La lumière, ici sur la vidéo, quand on regarde, elle vient de droite, mais on va imaginer qu'elle vient de gauche. Donc, j'aurais une ombre, nous aurions ici une ombre. L'ombre est là, mais tout de même, une fois que l'ombre est posée, ou y penser avant, bien entendu, parce que si vous voulez, imaginons que ce soit une table couleur un peu grège, cette couleur rejaillit sur mon pot. Ça aussi, il faut en tenir compte. Et la couleur du pot donne aussi des éclats de lumière sur mon support ici, qui serait par exemple une table. Donc ça, faut aussi y penser, et j'en ai pas parlé dans ma vidéo, enfin dans l'application qui suit. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Parce que j'aime ces deux couleurs ensemble, donc pourquoi pas, hein. Imaginons que je veuille faire une ombre à mon arbre, mais je mettrai de la couleur, ça va peut-être revenir au même, hein, parce que du coup je vais mettre de la couleur de mon arbre, ou laisser fuser, ou mettre de la couleur de mon arbre, parce que je trouve que ça fait un contraste beaucoup plus agréable. Et la couleur complémentaire sera un bleu, donc on revient un petit peu au même. Il faut aussi suivre son instinct. Voilà, si on trouve qu'un bleu va bien avec cette couleur, mettre un bleu. Si on trouve que c'est un orange, on met un orange. Un terre de sienne, par exemple, mettre un terre de sienne. Suivre un petit peu son instinct. Ce que je n'aime pas, par contre, c'est... et je le vois souvent, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est les personnes qui mettent... Alors là, je sais pas comment je vais faire. Imaginons que l'ombre soit de l'autre côté. Qui mettent toutes leurs ombres en violet. Voilà, hop. Alors ça, franchement, non, quoi. Faire attention de ne pas faire toutes ces ombres en violet. Voilà, est-ce que cela vous convient? Eh bien, cet avant-propos, je dirais, cette ébauche de discussion autour des valeurs est terminée. J'espère que cela va vous intéresser. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on parle encore plus de valeurs ou si vous voulez savoir un point précis sur les valeurs, les contrastes de valeurs, etc. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.